Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors pour un jeu que j'attendais beaucoup et qui m'a été beaucoup décrié. Il s'agit de Decay of Logos, on est bien sûr sur Nintendo Switch, il coûte 19,99€. C'est un jeu d'action, aventure, RPG, avec également apparemment un monde ouvert. On me l'a vendu comme étant un mélange entre Dark Souls et Zelda. Donc déjà, quand tu me dis ça, je me dis, ok, c'est bon, prends mon argent. Je vais le tester, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Il pèse 3,428 Go, il est sorti le 28 novembre 2019, donc il n'y a pas longtemps. Il est disponible en anglais, allemand, espagnol, français, japonais et portugais. On se lance dedans pour voir ce que ça donne. Et alors, la quête, ok, commencer une nouvelle partie. Le truc c'est que, comme je vous disais à l'instant, il m'a été beaucoup décrié. Est-ce que je peux allumer mes lumières derrière? Oui. Il m'a été beaucoup décrié, on m'a beaucoup dit que la déception était grande. Alors, je ne veux pas partir avec un a priori, donc je vais déposer cet avis que certains m'ont donné sur le côté, comme un petit baluchon, et on va se faire bien sûr notre propre avis dedans. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Capriccio 43, Francisco Goya. Très bien. Alors, y a des vibrations dans la manette déjà. Chose à noter. Alors. C'est joli ça. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Oula, oula, oula. Attends. Ok, je tape avec le. Je tape avec ZR. Ah oui, effectivement, je. Attends, mais ça rame. What? Oh, putain. Ah ouais, c'est joli, mais de loin en fait, il y a pas mal de petits soucis de texture quand même. Ah oui d'accord, je comprends pourquoi ça a été comparé un peu à Dark Souls en termes aussi d'inventaire et tout. Ah, attends, c'est quoi ça? D'accord, les lumières invisibles. Oh putain, ça rame! What? Mais pourquoi ça rame comme ça? Y a pas grand-chose à... Mais si, y a des petits effets de particules, mais enlevez-les sinon. Ouais, il y a une espèce de mélange de textures minimaliste, réaliste, c'est assez étonnant. Mais il est pas moche graphiquement, c'est juste qu'il y a des petits soucis de texture, on dirait. Mais c'est mignon, pour l'instant c'est joli. Mais par contre, que ça rame dans les 3 premières secondes de gameplay, c'est un problème. Peut-être que c'était que là parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'écran, je sais pas. On va voir. Ça c'est joli ça. Par contre c'est pareil. Ça rame. Salut Porcinet, merci de ton follow. Bienvenue. C'est joli ça. Ça fait très poétique hein, pour l'affichage des noms de l'équipe de développement. Tout début là, ouais. On va voir à quoi ça ressemble. Je pense que vu le jeu que c'est, on va essayer de passer un petit moment dessus pour que la vidéo soit assez fat et qu'on puisse vraiment voir ce que ça donne. Parce que si effectivement on est sur un monde ouvert avec les trucs, ça peut être assez intéressant de pousser un peu plus loin. L'environnement sonore est très sympa. Très 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 sympa en termes de l'environnement sonore. Installez-vous, on est parti pour une bonne grosse découverte. Bon. On pose tous nos a priori et on découvre à partir de là, puisqu'on va enfin avoir une première séquence. La musique est très très belle, j'avoue. Par contre, c'est assez étonnant
C'est assez étonnant la façon dont, mais dont on est balancé dans le jeu, en fait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on débarque, il y a un truc avec des flammes, et on fait une première attaque contre un mec, on sait pas ce qui s'est passé, on peut supputer qu'il était dans son village, que ça a été assailli par des ennemis, je sais pas. Et puis finalement, tout le monde est mort, et puis il a trouvé un animal qui est venu le réconforter, et il s'est barré avec. Ouf, ça brille. Après, on est sur un jeu indépendant. On note quand même que c'est sur un jeu indépendant, donc on ne le juge pas de la même façon qu'un jeu triple A aussi. Ça, c'est à noter quand même. Hein. Bon, là, ça rame pas. Là, ça rame pas. Ok, je peux casser ça? D'accord, on a une jauge d'endurance. On a une espèce de jauge d'endurance, là, bah, comme dans Dark Souls, en fait. Ramasser, ok. Je peux casser ça ou pas? Ah, je peux casser ce genre de choses, ok. Ok. Bon. Ok, ça c'est les petits coups avec, avec R. Je peux monter dessus ou pas? Monter. Je peux gérer mon inventaire depuis ça. Ne peut pas monter, donne-lui des lulabris pour le calmer. Câliner. D'accord. Ah, je peux pas, ok. Bon, bah écoute. Ok. Alors. Prier. Mais c'est stylé quand même! Il s'en dégage un truc stylé, hein. Attends, on a accès à quoi? Pause. On a alors équipement, inventaire, stats. Stats. Ah, ok. Il y a un niveau d'XP. On est à 51 sur 75. Alors peut-être que ma caméra, elle est peut-être située au mauvais endroit pour cette vidéo-là. Donc je vais peut-être mettre ma caméra ici. Stats, endurance, force. Ok. Protection physique. Ah oui, d'accord. On est sur un bon gros RPG en fait. Ok. Équipement. Magic Aid. Donc on aura de la magie, divers. Et là, il y a des quêtes. Ok. Très bien. On est sur un petit mélange entre Zelda et effectivement et du petit Dark Souls, j'ai eu l'impression pour certains combats. Lire. Afin d'éviter tout danger, fais usage du saut et du sprint, tu devras saut, maintenir et B pour sprinter. On va essayer de sprinter pour voir. Là, ça rame plus. Ça ramait dans le village peut-être parce qu'il y avait beaucoup de choses à afficher. Peut-être. Peut-être. Bon, par contre, au niveau des textures, c'est pas ça. Il y a une espèce de. Ah, d'accord. Attends, je peux. Ok. D'accord. Je m'y attendais pas. Attends, du coup, on va vérifier. On va juste vérifier par rapport à notre expérience. XP 51 75. J'ai pas l'impression que ça a fait quoi que ce soit. Lire. De nombreuses fois, le pèlerin est en train d'explorer des zones par-delà les sentiers battus, attirés par des biens matériels. Faire attention aux pensées à vide, tu devras. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des donjons dans le jeu qu'on n'est pas obligé de qu'on n'est pas obligé de d'explorer et qu'en gros il faut faire attention quand on rentre dedans. Ok. Je trouve qu'ils ont bien bossé pour un jeu indé, ouais. Je trouve aussi. Il y a quand même une sacrée dose de développement derrière. Hein. Résine. Très bien, bah écoute, on a récupéré la résine. Ah, il y a deux chemins. On est arrivé par où, nous? On est arrivé par la gauche, je crois. Non, on est arrivé par là. On est arrivé par là. On va aller ici. Ah, je crois que c'est l'autre chemin par lequel on avait vu le truc tout à l'heure. Les lumières ont l'air plutôt bien gérées. Non, pour l'instant, c'est agréable, hein. Vas-y, on va aller voir par là. Ah, ok. Alors, qu'est-ce donc que cela? Je peux sauter ou pas? Ah bah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah d'accord, j'ai enlevé mon épée d'un espèce de truc de feu. Je peux pas ouvrir? Comment je fais pour ça? Comment je fais ça? Ah, je peux rien faire? Je peux pas. Ok. Oula, par contre, waouh, le clipping, un truc de ouf. What?
C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, je trouve, mais la réalisation, elle est pas au poil. Hein. Parce que, ouais, ça rame quand t'arrives dans des zones comme ça. Attends, comment je fais pour... Ok, j'ai pété son bouclier. Non, franchement, regarde, tu pètes le bouclier des ennemis, tu les attaques, il y a une jauge de PV au-dessus. Ok, moi j'ai ma jauge d'endurance. Franchement, c'est propre. C'est propre, après il y a pas mal de clipping, mais après voilà, c'est un développement indé aussi. C'est un jeu indé. Regarde, franchement c'est clean ça. J'aime bien. Après voilà, ça mériterait peut-être des petites mises à jour par rapport à pas mal de choses. Il y a une espèce de blur, mais c'est pas non plus trop. 52. Ah, on gagne 1 point d'XP par monstre tué. C'est dur. Ah, je comprends quand on m'a dit c'est un espèce de mélange entre Zelda et... Ah, lui, la Bérise, super. Entre Zelda et Dark Souls. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a de système... Ah, si, il y a un système de lock, ok. Système de lock avec, bien sûr, le joystick gauche... droit, pardon. Ouais, si, je comprends la référence. Attends. Ok, il y a des espèces de dash sur les côtés. Eh, c'est évident, c'est très clean, hein. On va vérifier l'XP. C'est clean au niveau des combats parce que je pensais que ça allait ramer dans les combats et en fait non. Bon, par contre voilà, je trouve que visuellement c'est pas forcément hyper agréable à... C'est pas hyper agréable à explorer. En fait, ce qui fait très Dark Souls, c'est le système un peu de combat entre guillemets et l'affichage. L'affichage là-bas, là, de ça. Aussi avec la barre d'endurance et la barre de PV. Alors ça va pas plus loin, bien évidemment. Tu vois, ça va pas plus loin, mais tu le sens. Par contre, les ennemis, ils sont pas très... ils sont pas très agressifs, hein. Ah bah l'intelligence artificielle elle est pas ouf hein. Ok, alors on va juste vérifier l'XP. Ah, c'est ouf, on gagne 1 point d'XP par monstre tué. Mais what? Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah tu passes à travers là quand même monsieur. Ok. Décoction parfumée. C'est-à-dire que visuellement ça chatouille pas vraiment la rétine. Alors effectivement, je suis le premier à dire que le visuel ne fait pas tout. Mais en fait tu sens la volonté. Il y a vraiment une volonté dans le développement de faire quelque chose de joli. Mais je trouve pas que ça soit réussi personnellement. C'est-à-dire que la direction artistique, elle est pas... Et puis y a pas de musique derrière, t'as pas de... Je trouve que l'ambiance est pas folle. Ok. Ok. Ok, le petit saut, c'est comme ça. Non, ça a pas la prétention d'être à la hauteur d'un jeu AAA. Il faut aussi noter ça. Mais c'est quand même 20€, donc il faut aussi le juger sur le postulat de ce prix-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'un jeu indépendant, en fonction du prix, tu peux le juger différemment, entre guillemets. Maintenant, c'est assez étrange parce qu'il y avait une très belle musique sur le départ. Et là, une petite musique douce, ça accompagnerait très bien et ça manque... Moi je suis d'accord pour les bruits de la nature, etc. Mais c'est dommage. Alors où est-ce qu'on va là? Ok. Ouais, ils sont un peu à la ramasse eux. Hein.
Avant de pénétrer dans les nains, tu auras un symptôme purifié dans l'esprit dans un sanctuaire, te reposer dans un camp alentour, tu devras. Ok, oui, donc c'est des points. Il me dit qu'il faut que je sauvegarde, avant de rentrer dans des espèces de donjons. Donc ça, c'est une espèce de donjon, apparemment. Et là, il y a de la musique. Ah, mais voilà, mais c'est ça que je voulais. Ouais, c'est léger. C'est léger, mais il y a quelque chose. Ah, tu le sens, la petite patte un peu Zelda. Hein. Ouais, ouais, ils ont voulu faire un petit truc. Mais c'est plein de bonnes intentions, donc c'est louable aussi. Maintenant, je pense que il va clairement falloir... Ah d'accord, ok, il y a un corps. Il va clairement falloir qu'il y ait une espèce d'optimisation qui soit faite. Attends, comment je fais pour boire mes trucs? Attends. Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Attends, comment je fais pour boire mes potions? C'est quoi pour boire mes potions? Flux cinétique. Je peux l'enlever. Sensibilité, commande. C'est quoi les commandes? Alors attends, utiliser l'objet sélectionné, interagir, sauter, sprinter, contrôle de la caméra, appeler le compagnon, changer d'objet. Changer d'objet, c'est à droite, et utiliser l'objet sélectionné, c'est X. Ok. Ah, attends. Change d'objet, ça m'arrangerait. Tu peux changer ton objet ou pas? Voilà, merci. Super. Vache, il fait mal lui. Allez dégage, j'espère que tu donnes un peu plus d'XP toi. Putain, tu ne me donnes rien en plus. Vache. Et là il veut bien, tout à l'heure il voulait pas me l'attraper le gars. Ok. Oui, le tonneau était plus balèze que les arbres. Totalement. En termes d'ambiance, ça passe là. Je vais juste checker par rapport à 64. Ouais, en fait, l'XP a monté un point d'XP par ennemi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a un ennemi, tu mets un point, tu vois. C'est-à-dire qu'il manque des textures, il manque des petits trucs par-ci par-là, mais. Oh, mais quoi? Mais vous êtes. Mais... Ah, tu peux pas changer d'ennemi? Si, tu peux changer d'ennemi à la volée, j'ai eu peur. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'identité au jeu. C'est ce qui lui manque. Il n'y a pas d'identité propre. Ouais. Il lui manque une identité. C'est ça. Mais c'est plein de bonnes intentions, mais tu le sens. Tu sens que c'est plein de bonnes intentions, mais il n'y a pas d'identité. C'est ça. Vache! D'accord, ok, très bien. Très bien. Mais c'est-à-dire que tu passes de plein d'ennemis qui bougent pas et qui font aucun dégât à un ennemi qui te one-shot en deux fois. Non mais d'accord, ok, mais pourquoi pas. Très bien. Alors où est-ce qu'on reprend? Ah mais la violence, elle est... C'est soit tout, soit rien, quoi. Non mais... C'est ouf! Et puis j'ai pas trouvé de position de garde. J'aurais aimé trouver une position de garde, mais j'en ai pas trouvé. Attends, est-ce que j'ai gardé mes lunavérises ou est-ce que du coup ça m'a ramené là où j'étais avant? Attends, viens là. Mais arrête de bouger toi. Ah oui d'accord, donc tout ce que j'ai fait jusqu'ici en fait, ça n'a pas été sauvegardé. Je crois. Non non, tout ce que j'ai fait là, ça a pas été sauvegardé. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Attends, on va vérifier. 65. Ah si, j'ai gardé mon niveau d'XP. Si, si, j'ai gardé mon niveau d'XP pourtant. Ok, donc la porte... D'accord, ok, donc ça c'est entre guillemets influence Dark Souls. Un monde, ligne droite, avec des petites portes qui peuvent s'ouvrir à droite à gauche. Oui, enfin, ouais, l'influence Dark Souls, elle est... pas énorme non plus, quoi. C'est pas non plus ouf ouf. Pourquoi il se tient comme ça? Pourquoi tu te tiens?
Ouais, des gros guillemets, hein. Pas déconner non plus, hein. C'est vraiment. En fait, il y a un sentiment de. Dommage. Regarde, regarde. Regarde l'ennemi qui change littéralement. Regarde, il m'attaque même pas. Il fait aucun dégât en plus, lui. C'est-à-dire que t'as des ennemis qui te font pas de dégâts. Et t'en as certains. C'est ouf. C'est quand même incroyable. Donc oui, comme je disais, en fait, le problème, c'est que ça part d'un très bon sentiment. Il y a du potentiel. Mais c'est pas optimisé. Ah oui, d'accord, je suis revenu. C'est pas optimisé du tout. Il y a un manque de... Parce que la Switch, elle peut faire tourner les jeux mieux que ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème de puissance. Hein. Clairement pas. Moi, je pense, très honnêtement, alors je suis pas développeur. Je suis pas développeur, je donne mon avis en tant que joueur. Je pense que quand un développeur indépendant veut sortir son jeu, sachant qu'ils ont tout approuvé, en fait, bah, ils devraient totalement mettre plus de temps. Je sais bien qu'il y a forcément des timelines, il y a plein de choses à respecter pour des développeurs indés. Mais au final, quand tu sors un jeu comme ça, tu vas tellement dégoûter, à mon avis, de certains joueurs qui n'y retourneront pas, qu'au final, c'est pas le bon plan. Autant attendre un peu plus et sortir quelque chose qui méritera également. Tu vois? Alors attends. Leur tourne dans le donjon, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on refait une fois le donjon. Si on remeurt, on arrêtera la vidéo là parce qu'on aura vu ce qu'il faut en fait pour ce jeu qui me déçoit en fait un petit peu. C'est pas de la déception monstrueuse, c'est-à-dire que je le trouve pas dégueulasse parce qu'il est pas dégueulasse, il est loin d'être dégueulasse, mais bah, il aurait mérité une attention, une plus grosse attention que ça. Totalement. Là, c'est les mêmes ennemis que dehors. Pourquoi ils m'attaquent plus vite? Bah, c'est pour ça que j'ai évité le tonneau, là, pour pas me taper le tonneau en premier. On va faire attention à la jauge d'endurance. J'ai même pas de potion. Ah, y'a vache, mais la vache! Attends. Oh la vache! Non mais attendez, mais y a un moment, mais... Attends, mais pourquoi tu me ramasses pas la... Mais pourquoi t'as pas ramassé la potion? Je suis passé trois fois dessus, j'ai appuyé trois fois sur le bouton A. Problème, le bouton A qui sert à ramasser les objets, c'est également le bouton du saut, et tu peux pas ramasser un objet en passant dessus, t'es obligé de t'arrêter. Voilà, petite chose quand même. Et du coup, là, on retourne au point de sauvegarde de là-bas. C'est ça? Et, mais le truc c'est qu'il y a pas. J'aurais aimé au moins passer un niveau pour savoir un peu ce que ça apporte. Parce que ça sert à rien sinon. Je vais passer au moins un niveau. Et par contre c'est insane en termes de difficulté. Parce que même si tu les esquives et tout, même si tu esquives les ennemis, 71. Tu vois, on a perdu de la force, moins 11 de force. Pourquoi j'ai perdu de la force? À cause de ça là? Ah, c'est mon armure qui a baissé. Mon armure a baissé. Et j'ai l'impression que j'ai perdu des stats à cause de ça. Hmm. On les repart là. Ouais, je suis un peu sceptique. Salut Aurore, merci de ton follow. Je suis un peu sceptique parce qu'il y a plein de bonnes intentions. Et moi, ça me fait mal au cœur quand t'as un jeu qui au final. Bah là, ça va mieux. Là, ça va mieux, on dirait. Bah pourquoi maintenant ça va mieux? Ah non, ça se tient encore. Bon, bah je sais pas, tout à l'heure ça allait mieux. Mais elle a l'air blessée, mais on est full life et tout. Ok, on a 71, on va essayer de grimper d'un niveau pour voir ce que ça donne. Là vraiment, le niveau d'expérience va... Enfin, ce qu'apporte le niveau va être important quand même pour le jeu. Bon, on est à combien? On est à 60.
Et bah là, c'est. Là, là, ah si. C'est chelou. Ok, on a 73. Allez, encore 2 et on passe un niveau. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais ramasser des objets pour me guérir. Manger. Ah, voilà. Ah, là, j'ai l'impression qu'elle a récupéré, récupéré de ouf. Ok, il y a vraiment des notions aussi de taper avec les... Alors, on va voir un truc. Attends. Ok. Ah, niveau supérieur. Ok. C'est tout? C'est tout? Ah oui, j'ai gagné de la force. Mais ça me dit même pas ce que je gagne, quoi. J'ai gagné de la force, évidemment. Un peu d'endurance. Niveau 2. Ouais. Et c'est pareil. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit système de points à mettre. Bah voilà. En fait, l'endurance sert à rien. Oui, je sais pas ce que c'est, le moins 11. Je sais pas pourquoi j'ai moins 11 en force. J'ai l'impression que c'est parce que mon épée doit être un peu émoussée ou quelque chose comme ça. Parce que on le voit, regardez, j'ai dégâts de base 25. Et j'ai l'impression qu'elle a été émoussée un petit peu. À force de l'utiliser. Donc en fonction des choses, tu perds des stats. Hein. Salut dame. Ok. Oui, il me reste 8,7 du coup. Ouais. Ok. Ah, les stats sont... Là, on a des mauvaises stats aussi. Mais du coup, je sais pas comment récupérer mes stats. Parce que on est full life et tout. Donc, il y a vraiment un système vie plus statistique. Ça pique les yeux, quand même. Je le dis tel que je le ressens. Moi, ça me pique un petit peu. C'est-à-dire que j'ai souvent les yeux qui se plissent. Là on fait des dégâts de ouf. Par contre, on a passé un niveau. Là on fait des dégâts de malade. Ok, super. Moi je suis triste pour le jeu. Je suis triste. Alors. Allez, troisième et dernier essai pour cette vidéo. On se tape le coffre pour voir. Ah bah là, évidemment. Ah bah là, c'est déjà mieux. Ok, parce qu'on a passé un niveau. Bon, du coup, faut vraiment farmer l'XP aussi, quoi. Ok. Putain, y'a du monde en plus, là. Vache. Pardon? Pardon? Non mais les gars, mais vous foutez de moi ou quoi? Non mais... Mais what? Mais c'était abusé ça. Attends. Non mais il y a un moment... Non mais il y a un moment quand même. Mais c'est à dire que c'est les mêmes ennemis. Mais par contre ils sont beaucoup plus toniques que ceux qu'il y a dehors. Attends, maintenir pour changer les... Oh punaise. Mais what? Mais calme-toi 5 minutes. Ah, d'accord, fais attention au mur. Okay. Attention au mur. What? Ok, bon. Eh bah écoutez, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Vous direz dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez. Je vais la sortir telle quelle, la vidéo. Parce que je pense qu'on a saisi la majorité des choses, mais... Je pense que c'est comme l'autre jeu que j'avais testé qui ressemblait un petit peu à du Zelda en monde ouvert. C'est pas ouf, mais ça pourrait l'être. Franchement, tu mets une mise à jour dessus qui te change la fluidité, qui te... Pine, c'est comme Pine, exactement, c'est comme Pine. C'est, pour moi, c'est un manque d'optimisation.
Parce que dans l'état actuel, mais c'est pas mauvais, c'est même bon en fait, c'est chouette à jouer. Il y a des petits trucs, je pense, qui se comprennent aussi au fur et à mesure, comme le coût des statistiques, le coût des machins. Je comprends aussi l'aspect très Zelda, donjon, Dark Souls, combat un peu difficile, esquive, gestion des statistiques, etc. Mais ouais, clairement, et moi, il y a quelque chose qui me... Ouais, bref. Bon, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes en live avec moi, ne bougez pas, parce que nous, on continue. Et si vous êtes sur cette vidéo YouTube, eh bien, j'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite dans les commentaires et sur la chaîne. Salut, salut! Hey.